Bonsoir tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien. On est avec William. Bonsoir William. Bonsoir. Et aujourd'hui, on est parti faire une petite enquête paranormale dans des blocus militaires abandonnés. Abandonnés, bien sûr. Abandonnés, bien entendu. Fantôme garanti. Fantôme garanti, 100%. Ici, no fake. No fake. Eh ouais, tout ce que vous allez voir a été réalisé sans trucage. Maison. Maison, bien sûr. Allez, non, c'est parti. Ça va foutre les boules. Ça va foutre les boules. Premier blocus militaire, on arrive avec William, l'entrée est juste ici. On va aller visiter un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est pas trop rassurant. C'est déjà pas trop rassurant. Je pense qu'on va passer en night shot. On est en mode urbex. Oui. Oh, t'as vu? Alors en fait, c'est là. Là ici, c'est passé des guerres. Hein. Bah, il y a eu des guerres ici. Tout à fait, carrément. Puis il se mettait là avec la carabine comme ça. Paf, une mouette. Une mouette. Paf, deux mouettes. Deux mouettes. Et une Marie-Madeleine. Oh, une Marie-Madeleine. Ça se baigne, hein. Ça se baigne, hein. Ouais, il y a du monde, hein. Ici Jolotte DX et William DX, en direct des blocos militaires. Pour l'enquête phénoménale. Pour une enquête phénoménale. Let's go, continuer l'enquête. Il y a un petit côté artistique dans ces blocos. On va continuer tranquillement parce qu'en fait, on est sur tout un site, là. On prend des risques pour les abonnés. Danger. Bah, c'est accessible en fait, non pas trop. Oui et non, je dirais plus non que oui, moi. Ça pique, mais je vais peut-être prendre une petite photo. Ouais. Pour les archives. Pour les archives. Prends une photo pour les archives. Donc c'est chaud dans le coin, mon vieux. On est carrément au bord d'une falaise, laisse tomber. On prend des risques, nous, pour nos abonnés. Regardez ça, il y a vraiment une vue magnifique, quoi. Et ça, les côtes, là, comme ça, ouais. Ça a été mangé par la mer et puis par le vent. Ah bah ça, ça a été mangé par et la mer. Ça dessine tout, hein. On appelle ça l'érosion. L'érosion, ouais, c'est vrai. Eh oui, jamais. On parle d'érosion dans ces cas-là. Eh oui, mon petit monsieur. Eh ouais. Eh ouais. Les rochers qui ont été mangés par la mer. Paf. Encore un blocos, William. Bah là, mon vieux, on est peut-être surveillé. Attends, on peut plus passer. Non, faut faire le tour. Eh, ça sent le danger, c'est chaud, hein. Ça sent le danger ici, mon vieux. Wow. Faut faire le tour, hein. Wow, mon gars, imagine, fais gaffe, un hein. Bout de la falaise décroche, là. Ouais. Non, mais attends, j'ai pas tombé. Non, mais fais gaffe. Mon frère. Arrête, hein. Arrête, ok. C'est beau, hein, quand même, hein. Franchement, c'est beau, ouais. La Sainte Marie-Madeleine. Putain, on prend des risques là, William, là. Ah ben vieux, tu le veux le million ou tu le veux pas? Vous voulez le million? Vous voulez le million? Vous voulez le million? Voilà, mon vieux. Regardez bien ce qu'on fait, les gars. Vu les risques qu'on prend, il y a intérêt d'avoir le million, mon vieux. Fais gaffe, attends, je te tiens, William, vas-y. Bah viens, c'est moi qui te tiens, alors. Vas-y, c'est moi qui te tiens. On se tient. On se tient. Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, William? On était pas obligé de descendre. J'en sais rien, moi. Que c'est qu'on était pas obligé? Putain. Il y a quelque chose qui me disait faut y aller. Cette aventure, mon vieux. C'est beau, c'est chaud. Comment que c'est chaud, mon vieux? Bon. Mais ça valait le coup d'œil. En tout cas, voilà. Il y a une petite cabane de pêcheurs là-bas, un carrelet. On est dans un nouveau blocos, les gens, là. En fait, il y a vraiment beaucoup de blocos sur le site. Je sais même pas si on va pouvoir tous les visiter. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? C'est quoi ces tags? Il y a eu des rituels sataniques là-dedans, William, c'est obligé. C'est quoi, les grands frères te regardent? Big Brother is watching. Grands frères te regardent. Les grands frères te regardent, il y a You là-bas. Ouais, les grands frères te regardent. Ça, c'est pour les mauvais abonnés ici. Laissez-moi sortir. C'est un bon abonné. C'est un bon abonné. Allez, on va le laisser sortir. Est-ce que t'as liké la vidéo, moi? Est-ce que t'as liké la dernière vidéo? Et toujours, j'ai même partagé. Programme Twitter, Facebook, tout. Allez, vas-y, sors, va. Oh, merci, allez. Je l'atte. Allez, t'es un bon merci, abonné. Merci, je l'atte. 10 ans, j'étais là, j'ai grandi là. Ça me fait tout drôle de le quitter. Je sais plus où il est, le blocos avec les escaliers, là. Il est où, ce blocos, là?
On aurait dû acheter des trucs comme ça avec l'argent des abonnés, William. Bonsoir. Bonsoir. Par ici, monsieur. Par ici. Mais vas-y. Merci. Parfait. Vous êtes le gardien du blocos? Oui, tout à fait, c'est moi. D'accord, merci. On continue. Bonne soirée. Bonne journée. Je passe en night shot. Night shot. Night shot activé, mon vieux. On rentre dans le sable cos. Comment que c'est noir, mon vieux? Tu vois rien du tout là-dedans. Faut aller de là. Faut aller jusqu'au bout. C'est noir. Ouais, tu vois rien là-dedans. Attends, je passe en night shot. Tu vois que tu marches sur une mine de la montagne. Non, t'inquiète, je... il y a une marche, William. Il y a une marche. Il y a une marche, il y a une marche. Marche, marche. Attends, il y a une marche, mais tu vois que dalle là-dedans, mon vieux. C'est tellement noir. Attends, il y a une lueur. Il y a une lueur par là, William. Oh, enfin la lueur du jour. Ouais, c'est bon, je crois qu'on va jouer. Hein? On la prend. Hein. On la prend. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, bah, c'est bon, ça me va. Je passe en night shot. Night shot activé. On est dans le noir total. Une torselle. Bah, on voit rien là-dedans, mon vieux. Tu me vois? Putain, on voit que dalle, mon vieux, c'est noir. Attends, mais moi je vois rien. Nous avons retrouvé un ancien soldat de la mine. Soldat Cagnard, identifiez-vous? Soldat Cagnard. Vous êtes le sergent Cagnard, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous savez qu'il en a tiré des missiles, le sergent Cagnard. C'est moi, je suis... Oui, c'est moi, madame. Oui, madame. Oui, petite, là. Viens avec nous les ballons. On pourrait faire une attraction de maison hantée là-dedans. Tu fais peur aux passants. Sergent Cagnard, derrière nous. Vous suivez, sergent Cagnard? Le cachot des mauvais abonnés. J'en reviens. On en revient. Regardez, c'était un mauvais abonné. J'en suis sorti. Avant de sortir du cachot. Maintenant c'est un bon abonné. Alors, cette sortie dans les blocos, William, dis-nous en plus. C'était éprouvant? Franchement, j'ai flippé. Hein? J'ai flippé. C'est la flippe hein, dans les blocos ouais, quand même. Hein. Ça paraît pas comme ça, non, mais c'est super impressionnant. Par contre, en revanche, t'as vu, quand tu sais qu'il y a eu des gens là, quoi, ils étaient ici et qui ont vécu quand même des horreurs, en vrai, hein, pour de vrai, hein, de blague à part, et ben ouais. Franchement, quand même, voilà. On est super bien content de nous, de ne pas y avoir été à cette époque. On est bien content de ne pas avoir été là-bas à cette époque. C'était carrément ouais, moi, j'ai bien aimé, sortie. En plus, j'avais jamais été. Et ben, voilà. Et ouais, moi, j'ai... j'aimais pas trop l'histoire, et ben, quand on y voit, et ben, c'est différent. J'y avais été une fois déjà, et donc c'est vrai que c'est un endroit chargé d'histoire. Ouais, ben, c'est historique. Voilà. C'est un endroit historique. C'est clair. Tout simplement, il y a eu des bombardements ici, il y a eu la guerre. On a pris ça un petit peu à la déconnade, tranquillement, ouais. Mais en vrai, voilà, c'est sérieux. En vrai, c'est sérieux. C'était chaud à cette époque. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette expédition dans les blocos avec nous vous aura tenu en haleine jusqu'à la fin. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Faites de bons cauchemars.